voici le temps d'un deuxième haul sol, et cette fois-ci sur le site de Sephora et quelques produits que j'ai trouvé en magasin, mais vraiment pas grand chose. Donc je m'excuse si vous entendez le bruit des voitures. En plus, à mon avis, ça va pas tarder à pleuvoir, mais là il fait trop lourd. Donc on va commencer avec les produits pour le corps. Donc j'ai pas les prix. Donc je me suis pris donc ma boîte à douceur pour me faire du bien. Donc c'est un beurre corps nourrissant et un gommage au sucre avec une petite fleur de douche. Alors ça c'était je sais pas. J'ai pas gardé, mais j'ai pas gardé mes tickets de caisse. Je crois qu'ils étaient à 11 euros ceux-là, mais pourquoi il n'y a pas le prix? Je crois que c'était 11 euros. Je sais plus. Et je me suis enfin pris. J'hésitais. J'ai bien fait d'attendre puisqu'il était soldé. Le kit minceur et fermeté mince alors. Donc dedans, il y a la gelée fondante minceur et fermeté. Je veux un corps de rêve. Et avec le petit roll-on. Donc voilà. Et celui-ci, est-ce que je l'ai pris? Il était à 11 euros. Voilà. De toute façon, vous retrouverez les prix sur le site. Parce que sinon, cette vidéo, elle va durer des heures. Donc, excusez-moi d'avance. On va essayer d'aller vite. Donc, les principaux achats que j'ai réussi à faire, c'est parce que j'avais préparé mon panier 2 jours auparavant et que peu à peu, je le remplissais. Et qu'à 6h du matin, j'étais au taquet sur mon ordinateur. Parce qu'à chaque fois, je loupe les soldes sur Internet et dans notre Sephora, ici, il n'y a jamais rien de bien intéressant. Donc, cette fois-ci, j'ai joué la sécurité. Alors, quand même, si j'ai trouvé ça au magasin, c'est la cure, une cure pour les ongles de chez Hérôme avec la crème aux cuticules gratis, marqué. Donc ça, c'était à moins 50%, donc j'ai eu à 7,95 au lieu de 15,95. Petite cure Hérôme, parce que j'ai mes ongles qui sont un petit peu fragiles malgré les petits compléments alimentaires que je prends pour mes cheveux et tout. Bon, moi, je me fais des manucures souvent, donc ça abîme les ongles. J'ai pris ensuite 2 vernis de chez Sally Hansen Salon Manucure. Donc, on a... J'en ai pris 2. J'ai pris un bois de rose et un beige marronné. Donc, celui-ci s'appelle... Lao Profil. Et celui-ci, oh là 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 là, c'est dingue. Mais il n'y a pas de nom. Moi, je vais vous regarder. J'ai pas de nom. Ah bah si, So Much Fun. Je me suis pas trompée. Voilà, Lao Profil et So Much Fun. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à me dégoter des vernis de la collection de Maria Carré. Donc, j'ai pris le bleu qui s'appelle Incognito in Sausalito. Donc, ils étaient moins chers sur le site internet qu'en magasin. Je les ai eus à 5,95 euros au lieu de... Alors qu'en magasin, ils n'étaient pas bien soldés, j'ai trouvé. J'ai le rouge. Donc, All I Want for Christmas is Hobby. Et enfin, le liquide sand. Donc, qui est magnifique. Qui s'appelle Silent Star Go By. Voilà. Et enfin, un dernier. Celui-ci, c'est la collection San Francisco, je crois. C'est... Ah bah non, peut-être pas. C'est encore Maria Carré.
Vision, oui, Vision of Love, c'est le titre de d'une de ses chansons. Ah, c'était quoi celui-là? Ça doit être le bleu. Oui, ça doit être le bleu là, qui est de la collection San Francisco. En magasin, je me suis pris un petit vernis Givenchy, je ne connaissais pas. Donc celui-là n'était pas beaucoup soldé, à moins 30%. Donc je l'ai eu à 16 euros au lieu de 22,90. Donc c'est un beau rose poupée. Je ne connais pas du tout les vernis Givenchy, donc j'ai eu envie de tester. Alors ceux-là, j'en avais parlé sur mon blog. J'ai réussi à les avoir, je suis trop contente. C'est les fameux vernis là, les fameux effets Barbapapa. Alors attendez, je vais essayer de vous les mettre comme il faut. Donc j'ai réussi à avoir les quatre. Donc je sais pas s'ils ont des noms. Non, effet Barbapapa. Effet Barbapapa. Ah, il y a effet blanc, effet pink, je sais pas si vous verrez avec le soleil, effet blue et effet lilac. Donc on va tester tout ça et je les ai eu à 1 euro. Ensuite en vernis. J'ai réussi à avoir le kit Sephora Rio in Néon. Alors ça, parce que j'adore mettre des vernis néons l'été. Je trouve ça trop joli avec le bronzage. Ça aussi, c'était des vernis sur ma petite wishlist. J'ai réussi à les avoir, c'est les Studio Nail Art. Donc bah, je vous invite à aller voir sur le site les prix, parce que moi, bon, je vous fais cette vidéo un petit peu en vitesse. Donc j'ai pas eu le temps de trop de la préparer. Donc il y a 8 vernis, pareil, des teintes pastel qui sont vraiment, ça fait très très joli sur les ongles avec le soleil. Moi j'adore vraiment, je vais pouvoir jouer avec ça. Alors après, en vernis, j'ai pour essayer également, et ça c'était sur le site internet, donc je peux pas vous dire le prix, mais c'est vraiment pas cher quoi. Est-ce que je peux l'avoir sur la petite liste que j'ai réussi à me garder? Un vernis pailleterie, alors là j'en revenais pas. Voilà, je l'ai eu à 9 euros au lieu de 24. Donc vernis lissant haute brillance. Et moi c'est la couleur 202 double crème. Là, il est sublime. Ça, c'est Givenchy et pailleterie, c'est vraiment pour tester. Ainsi qu'un autre de Yves Saint Laurent. Je suis fan des rouges à lèvres, mais j'ai pas trop de vernis Saint Laurent. À part un petit kit duo que ma mère m'avait offert. Et là, j'ai trouvé, mais alors une couleur. Où est-ce que je l'ai commandé? C'est sur internet, lui donc. Il était à 16 euros au lieu de 23, j'arrondis. Hein. Et c'est corail colisé, c'est une tuerie. Après, ah ouais, c'est pas fini dans les vernis. J'ai quand même essayé de vous mettre ça par, de vous ranger ça par gamme. J'ai réussi à me trouver le coffret. C'est pareil, je le voulais, mais au prix où il était, j'ai dit non, 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 non. Le coffret Top Vis de chez OPI avec le top coat, le matte coat et les snowflake in the air. Donc celui-ci c'est pareil, c'était intéressant. Il était à 9,40 au lieu de 22,50. Alors là, comme quoi il faut être patiente les filles. Quand vous voulez quelque chose, il faut être patiente et faut être positive et les choses viennent à vous. Voilà, alors maintenant on va passer à... Oui, maintenant on va passer plus au nail art. Alors... Donc j'ai pris les ongles graphiques 3D de chez Sephora. Alors ceux-là, ils coûtent super. Enfin moi je trouvais cher pour ce que c'était. Et heureusement que je les ai eu en solde. Et alors est-ce que je les ai là? Ce
ce truc-là, pour 15 petits clous, c'était 9,95. Alors, je vais vous montrer, j'en ai ouvert un. Et moi, je les ai eus à 2,50. Là, à ce prix-là, je dis oui. Parce que franchement, pour ce que c'est, faut pas pousser grand-mère dans les orties. Donc, il y a la petite notice explicative. Et voilà ce que vous avez dans cette grosse boîte. 15 petits clous. J'ai compté, il n'y en a pas un de plus, pas un de moins. Et la petite colle adhésive. Donc 2,50€ pour ça, je dis oui. 9,95€, c'était hors de question. Voilà, donc j'en ai pris deux du coup. Voilà, comme quoi. Hop, tout se casse la figure. Alors, également pour les ongles, je me suis acheté des coffrets. Ça, c'est un magasin Ciaté. Les Vericolor Foil Nail Manucure. Vous savez, c'est les petites. On met de la colle et puis on met des petites feuilles par-dessus et ça vous fait cet effet-là. Donc, moi, je les ai moins 70%. Hein, c'était à 6,60 au lieu de 22. Donc, j'arrive pas à trouver la. Je sais qu'ils ont des noms, ces kits, mais alors. Je sais pas. Je vois pas. Ou alors c'est sous l'étiquette. Non. Bon, bref. J'ai pris toutes ces petites couleurs-là. Et en fait, ça correspond aux couleurs des petites feuilles de papier que vous collez sur les ongles. Donc voilà, c'est quand même malheureux que j'arrive pas à vous trouver le nom. Ah, donc il y a Carnival Couture. Et Kaleidoscopic Clash. Voilà. Et sur le site internet, j'en avais commandé un aussi, j'avais oublié. Donc j'ai Carnival en deux. Mais bon, c'est vite parti. Donc 6€ ces petits trucs-là. Je suis contente. J'ai pris un autre kit Ciaté, ça sur le site internet que j'ai eu à 11€ au lieu de 22, donc à moins 50. C'est la Flower Manucure. Donc ça, c'est spécial, c'est des petites fleurs. Je sais pas si vous verrez. Oui, c'est. On dirait les vraies. Hein. Je sais pas comment ils ont fait ça. Enfin, c'est sympa. Il y a même la petite lime à ongles et puis la petite pince à épiler pour les attraper. Donc je suis contente. Je vais pouvoir m'éclater avec ça. L'été, je fais plus facilement. Des petites manucures sympas avec mes ongles que l'hiver j'ai moins envie. Alors j'étais contente parce qu'ils étaient pas. Je les avais pas eu cet hiver. J'adore leur nail patch French manucure. Alors j'en ai acheté en magasin et sur le net. En magasin, il en restait plus que deux. J'ai sauté dessus. Ils étaient à 2€. Ceux-là. Moi j'aime bien. De temps en temps me faire une fraîche. Donc. J'ai pris le stock et également en magasin pareil 2,07€. J'ai pris des petits stickers Snail Art, donc il n'y a pas de nom, il n'y a que des références. Donc j'ai ceux-là avec des petites fleurs, ceux-là qui sont bien jolis aussi avec des petits papillons, tout ça. Et encore des petites fleurs, mais dans les tons plus violet et crème. Voilà, c'est tout pour les ongles. Alors, en maquillage, je vais déjà vous montrer un truc non soldé que j'ai acheté quand même parce que je le voulais. Parce que Gracia, je pense que c'est le même, tu me diras, de la chaîne EGM68. Et elle utilise un petit fard pour unifier toujours sa paupière et aider à l'estompage. Et je reçois, donc je commande hein, sur le site, fard à paupières numéro 35, beige blanc mat. Et je reçois Makeup Forever, fard à joues.
Numéro 35. Ah, oh, c'est pas vrai, ils sont plantés. J'ouvre. C'est bien l'ombre à paupières, mais c'est marqué fard à jour. Et ne me dites pas que ça, c'est un fard à jour. Donc, je suis soulagée, c'est ce que je voulais. Donc, Gracia, dis-moi si c'est le même que toi. Mais en tout cas, la couleur est tip-top. Ça va être parfait pour mes petits estompages. J'ai acheté, pareil, en édition limitée, ça date de très longtemps, de la collection Albert Elbaz pour Lancôme, le Hypnostar Regard Cinéma Volume et Courbe. Donc il est super. Alors celui-là, je dois l'avoir là dans mes... Il était à 29,50€, je l'ai eu à 15,30€. Alors, si j'ai pas marqué les pourcentages, vous m'excuserez, les chéris. Je ne voulais pas. Donc voilà, une petite merveille. Un petit mascara en plus. J'ai réussi également. Alors là, je suis trop contente parce que ça, pour moi, c'est une palette qui vend super cher. La Makeup Forever, moi, à ce prix-là, non. À ce prix-là, un petit truc comme ça, non. Où elle est ? Voilà. À la base, elle coûte quand même 45€, cette petite chose. Et moi, je l'ai eu à 22. Voilà. Alors, j'ai vu qu'elle était encore, qu'elle était en magasin, mais j'ai pas regardé si le prix était plus intéressant en magasin que sur le site. Donc, c'est la Sepia Blue de Makeup Forever. Et vraiment, c'est des teintes que j'adore. Vous commencez à me connaître. Tout ce qui est marron nude, là je pourrais utiliser ça en ratine inférieure quand j'y penserai pour réveiller un peu, mettre un peu de couleur. Elle est super belle, je suis contente d'avoir pu l'avoir. Et j'ai vu qu'il y avait des petits pinceaux qui m'ont l'air pas mal. On va essayer de les sortir. Petit pinceau paupières et un petit pinceau eyeliner. Bien pratique ça. Voilà ma petite Sepia Blue. J'ai réussi aussi à avoir, enfin j'ai réussi, j'avais tellement peur quand je voyais, quand j'allais consulter l'état de mon suivi de commande, je voyais article indisponible, et plus les minutes, les demi-heures, les heures passées, et je voyais mes articles disparaître, c'est pas possible. En fait, non, j'ai tout eu, c'est que ils nous gardent nos commandes et nos articles en mémoire, et on peut repasser des commandes si on veut et on remet ajouter au panier. Mais heureusement, moi, au début, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai dit, oh, mon Dieu, non, j'espère que je ne vais pas louper mes soldes sur Internet. La folle. Donc, j'ai réussi à le dégoter. Ah là là, vous savez que je les aime tant. Donc, c'est le petit... Comment ils appellent ça, hein? Le set de 5 crayons E Jumbo 12h. Vous savez que j'ai acheté les cuivrés, tout. Bon, il y a le kaki que j'avais déjà dans le kit. Donc je vais le garder pour un prochain concours pour vous. Mais les autres, je ne les avais pas. Et là, c'est pareil, ça valait vraiment le coup. Au lieu de 29,90€, ils étaient à 8,90€. Et là, en individuel, je me suis pris la petite couleur copper, pareil, en jumbo longue tenue. Alors lui, je l'ai eu à 3,20€ au lieu de 10,90€. Ah non, mais vraiment, ça, là sur internet, ça vaut vraiment le coup de se lever de bonheur. Vraiment. Je suis trop contente. Enfin, alors je venais à bout de ma petite CC crème d'Herborian, vous savez que je l'adore. Et mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai vu il y a 2 ou 3 jours avant de valider mon panier le jour des soldes? Sachant que j'adore la CC crème et la bébé crème dorée pour l'été. Un coffret avec les deux. Alors là, mon Dieu. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que j'ai... Non, j'ai... Bah, allez voir sur le site internet à quel prix il était. Mais là, ça valait vraiment le coup, quoi. Je me rappelle plus des prix. Je sais pas, il me manque une feuille de commande.
Donc là, c'est ces crèmes en grande taille et la bébé crème en petite taille en teinte dorée. Je crois que c'était dans les 11 euros ou 15 euros. Trop contente. Et enfin, pour terminer, au niveau soins, je regarde le retour caméra parce que déjà lors de mon Douglas, ma caméra n'était pas coopérative. Alors, je me suis trouvée en magasin une eau sublimatrice très hydratante qui est un peu nacrée. Je l'ai testée, il y avait le testeur. Donc, je l'ai eu à moins 50, 5,93. Et pour moi, c'est le top. Vous pchitez ça sur votre peau, vous passez un coup, c'est sec, c'est pas gras, ça colle pas, ça pénètre instantanément et vous avez la peau qui brille. Moi, je déteste coller l'été, hein. Mettre des trucs collants sur moi l'été, non, non, non. Et enfin, les deux belles affaires que j'ai fait, je me suis trouvée de chez Sempare, une marque que je connais pas, je me suis dit bon. Donc, le lait démaquillant en velours, parce que l'hiver, moi, j'aime bien me démaquiller au lait. Que je rince toujours à l'eau thermale. Donc c'est un 200 ml et celui-là, est-ce que je l'ai dans la liste? Il était à 14 euros au lieu de 29,50. Et enfin, Gracia, c'est un coup d'œil pour toi. J'ai réservé le meilleur pour la fin. Parce qu'elle m'avait conseillé d'essayer ce produit, sachant que j'étais peu à peu en train de me faire ma petite routine ciselée pour cet hiver. Le Pore Minimizer concentré, affinant, lissant, Global Perfect de chez Sisley. Là, ça a été mon petit coup de folie, mon grand plaisir que je me suis offert. Donc, au lieu de 126 euros, je l'ai eu à 88 euros. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, eh ben, j'essayerai ça avec plaisir. Peut-être pas maintenant parce que j'en ai un d'ouvert de chez Tudahouse, je crois. Mais ça, pour cet hiver. Voilà, je suis contente parce qu'elle en dit tellement bien de ce produit. Et elle m'a dit, vas-y, faut que tu essayes ça. Et qu'est-ce que je vois sur le site qu'il allait être en solde. Alors là, dans mon panier directement. Donc ben voilà, c'en est fini pour tout ce qui était vernis, maquillage. En fait, là, je vois que j'ai beaucoup craqué mon slip en vernis et en kit nail art. Bon, moi, ouais, j'ai fait fort. Mais bon. N'est-ce pas? Alors, maintenant on va passer à la catégorie parfum. Ah, avant, faut que je vous dise quand même que j'ai eu la chance sur tous ces produits soldés que j'ai commandés sur internet que mon code de moins 25% de carte Gold est marché. Donc, sur tous ces produits-là, vous rajoutez moins 25% encore en moins. Donc, j'ai vraiment été. Non, mais là, je suis ravie! Ravie, ravie, ravie! Donc, ne quittez pas, je reviens, je vais chercher le reste. Mais voilà! Alors, dans mon haul Douglas, je vous ai dit que j'avais craqué mon slip en parfum parce que ça faisait des années, sans rire, que je ne m'étais pas acheté des parfums de marque. Quand j'ai vu que mon code promo sur ma première commande de tout ce que je vous ai présenté précédemment avait marché sur ma première commande, je me suis dit, alors là, vite, les parfums. Pendant qu'il y en a encore, profites-en, ça va valoir le coup. Et il y a tous les parfums que je voulais depuis un moment. Donc, ah bah j'ai pas le prix de celui-là. Merde. Oh, j'ai du mal. Ah, j'ai du mal, j'ai du mal. Ça m'a épuisé ces soldes. Je me suis trouvé le Dahlia Noir, l'eau, en 50 millilitres. Lui, je l'ai payé 43 au lieu de 63. Moins 25%. Ivoire de Balmain.
Alors lui, c'est l'eau de parfum. Au lieu de 51, je l'ai eu à 26, moins 25%. Le Réminiscence. Alors ça, je suis restée Rem Enbo. Alors lui, il était quand même à 75 euros. Il était soldé à 39, moins 25%. Non mais, puis je suis bête là, je vous montre pas les bouteilles, mais enfin Nathalie, là là, je suis toute bouleversifiée. Réminiscence, c'est plus que se souvenir, plus que vivre, c'est retrouver son cœur d'enfant. Regardez-moi cette bouteille comme elle est originale. Je vous la montre encore. Ça, si je ne l'ai pas ouvert, hein, j'ai attendu de faire la vidéo. Voilà. Super. Je vais vous montrer Ivoire de Balmain. Donc ça, c'est un 30 ml, c'est l'eau de parfum. Regardez-moi comme c'est beau. Et ah ben dahlia noir aussi. Oui. Alors ce parfum, il est sorti depuis 2, 3 ans. 3-4 ans. J'ai une mémoire d'éléphant, moi. Quand je veux quelque chose, j'attends, j'attends et j'arrive. Non, mais vous allez vous marrer derrière vos ordinateurs, mais bon, c'est pas grave. Et celui-là, non, mais alors là, ça, avec mon Daisy de Marc Jacob, là, la eau so fraîche, l'édition limitée, ça, c'est. Et puis, mon blush ciselé et ma terracotta, c'est mes trésors, quoi. Et enfin, pour finir, non, c'est pas. Non! C'est pas fini! J'ai pris l'Acqua di Gio eau fraîche de chez Giorgio Armani en 50 ml. Alors lui qui était à 52,50, que j'ai eu à 36,50 euros, moins 25%. Donc ça. J'avais bien sélectionné. Je les avais déjà repérés, ces parfums, mis dans mon panier, enlevés. J'avais regardé quand même leur. J'avais été les sentir et tout. J'ai fait mon enquête. Et vite, 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 quand j'ai vu que ça marchait, mon code. Et enfin là, c'est un achat qui a été. Comment dire? Influencé par des statuts sur YouTube ou sur Facebook, tellement de monde en a dit du bien que je me suis dit bon, ben allons-y. Alors, j'ai à ce prix-là. Donc, 39,90, c'est en coffret, hein. C'est le coffret haut de parfum de Lady Gaga. Donc, je l'ai eu à 29,90, moins les 25%. Vous allez me haïr. Oh non, faut pas me haïr. J'ai eu de la chance et tout. Donc, il y a. Faut pas que je fasse tomber le parfum. Le gel douche. Oh, mais j'avais pas vu. Il y a même des fossiles. Ah, oh, ben, il va falloir que je m'y mette aux fossiles. Enfin, remarquez. J'arrive déjà pas à me mettre mes traits d'eyeliner. Alors, les fossiles. Avec mes nouveaux cils. Et des fossiles. Donc, ben voilà. C'en est fini pour ma vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. J'espère que vous êtes préparé un bon café ou un smoothie ou des pop-corn. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.